Bonsoir à tous et bienvenue. À la une, ce déguerpissement à Yopougon. La mairie, après plusieurs mois de mise en demeure, a lancé l'opération ce mardi. Le site en question est une réserve administrative de plus de 2000 m² qui doit abriter un ouvrage économique communal. Précision à suivre dans ce journal. Fini les vacances scolaires, l'école rouvre ses portes lundi prochain, à une semaine de l'échéance. C'est la course aux fournitures scolaires, livres, cahiers et autres instruments. Où les parents s'approvisionnent-ils? Comment se comporte le marché des fournitures scolaires à 5 jours de la rentrée des classes? Les réponses à suivre dans ce journal. Et puis, à l'étranger, deux compagnies pharmaceutiques chinoises exposent pour la première fois à Pékin leur candidat vaccin contre le Covid-19 au moment où la Chine espère se défaire des critiques occidentales visant sa gestion du début de la crise. Ambiance chaude ce matin à Yopougon-Palais. La mairie de la commune est passée à l'offensive. Après plusieurs mois de mise en demeure sans suite, les services techniques ont lancé le déguerpissement d'un site, initialement une réserve administrative prévue pour abriter un ouvrage économique communal. Beaucoup d'émotions lors de la démolition de commerces et habitations bâtis sur ce site qui fait l'objet d'un contentieux. Le témoignage de Thiemé Danger et Aruna Zeba. Passer la sommation, place à l'action. Trois mois après sa première mise en demeure, la mairie de la commune de Yopougon libère l'emprise de son projet économique prévu sur ce site de 2080 m² contigu au palais de justice de la commune. L'offensive débute ici, sur le flanc gauche de la voie principale, menant à Couté et Béago. À l'arrière, ses habitants sont surpris par le déploiement des agents commis au déguerpissement pourtant annoncé des mois auparavant. On s'empresse alors de sortir des biens regroupés ici en plein air, les uns sur les autres. Ces autres occupants tentent eux de sauver portes, fenêtres ou tôles. Quand arrive la pelleteuse, la tension monte, les esprits s'échauffent. Pas de quoi faire reculer la mairie. L'engin dévore maisons, commerces et lieux de culte érigés sur ce site qui devrait abriter les locaux du poste de police du 16e arrondissement. Finalement construit aux encablures de Sikoji Wakubwe. Cet sexagénaire dit habiter les lieux depuis 1979. Se réclamant propriétaire des lieux, il lui est difficile de contenir son émotion. Ils sont venus casser ma maison. Malgré que j'ai tous les papiers, je paye impôts, recettes hors domino au ministère de la Constitution. Mon nom sort sur les bordereaux au ministère de la Constitution. Je suis une veuve, j'ai 13 enfants. Où je vais dormir? Comme elle, ses occupants d'habitation et de commerce rasés crient leur colère. Depuis 20 ans, plus de 20 ans, je suis ici. On devait construire un commissariat ici, chose qui n'a pas été faite. Le terrain n'a pas été déplacé. Moi, je reconnais que c'est pour l'État, certes, mais on a sauvegardé les biens de l'État. Il faudrait qu'il y ait une mesure d'accompagnement. Moi, je suis un locataire de la dame. Bon, c'est aujourd'hui même matin qu'on m'a informé. Donc là, j'ai dû ramasser mes affaires, je ne suis pas allé au travail même, juste à cause de ça. Mon propriétaire doit me rembourser ma caution. Là, je viens de la voir, mais il fait comprendre que l'affaire à la justice, comme je suis là, elle-même, ils ont fait sortir ses affaires. Moi-même, je l'ai aidé. Donc, elle va me rembourser ma caution comment? Sur le site, pour apaiser les tensions, le directeur technique de la mairie dit comprendre les réactions. Cette opération, devait-il ajouter, s'est imposée du fait du refus des occupants de libérer les lieux. S'ils étaient partis tranquillement, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et c'est ce que nous avons voulu éviter depuis plus de 3 mois, avec 2 semaines de rappel. Nonobstant ces rappels, les populations sont restées là. Nous ne pouvons pas travailler de cette façon. On est obligé de donner satisfaction aux populations de Yopougon. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le maire, son conseil municipal qui va venir prendre possession de ce terrain. Non. Celle qui fait office de chef de file des opposants au déguerpissement n'entend pas les choses de cette oreille. Elle dit réserver une suite judiciaire à l'affaire. Ah, on ira à la justice. On ira jusqu'au bout. Vous allez me dédommager. C'est tout ce que je demande. En attendant, sur les gravats, ces artisans accourent, tentant de retrouver quelques biens qui puissent faire leur affaire. Là où les déguerpis, eux, l'âme en peine, sont en pleurs. Fini les vacances scolaires, l'école rouvre ses portes lundi prochain.
À une semaine de l'échéance, la course aux fournitures scolaires, livres, cahiers et autres instruments. Où les parents s'approvisionnent-ils? Comment se comporte le marché des fournitures scolaires à 5 jours de la rentrée des classes? Les réponses dans ce sujet de Salifia Lekwe et Eric Kimo. Après quelques semaines de vacances, les élèves reprendront le chemin de l'école officiellement lundi prochain. Les fournitures scolaires constituent des éléments indispensables pour l'année scolaire. Dans les marchés d'Abidjan, l'on note cette ambiance de rentrée à travers des articles exposés. Un business avec de nombreux acteurs, d'une part les grandes surfaces et de l'autre des revendeurs installés aux abords des rues. Une multitude de choix pour les parents. Les arguments ne manquent pas. Ayant reçu la liste, vu que la rentrée c'est le lundi, je suis venue acheter les livres, cahiers, bics de mes enfants. Bon, pas de librairie par terre. Je préfère payer ici. Ici, c'est les cahiers qu'on vend. Et puis les livres, je pars à la librairie et je paye. Je ne paye pas les livres à la librairie par terre. Bon, souvent les livres ont déjà été utilisés. Et puis bon, pour une question d'hygiène, puisque les enfants sont à bas âge, donc je préfère payer à la librairie, pas de librairie par terre. Tout le monde n'a pas les moyens pour aller dans les librairies conformes parce que souvent, avec eux, on peut discuter un peu les prix. Ils nous font souvent des faveurs, donc ça nous arrange. Ils n'ont qu'à aller voir les livres. Il ne faut pas que ça soit trop d'images. Bon, sinon, ça peut aider les enfants, mais d'une façon aussi, vraiment, ça peut les pénaliser. Et si on met seulement chien, canari, tout ça, c'est dessin. L'enfant, il va imaginer, il va dire le nom, même si, bon, il ne sait pas lire l'écriture. Les livres qui sont au programme aujourd'hui-là, ce ne sont pas des livres en tant que tels. Voilà, ce sont des livres vraiment qui sont pauvres, qui ne sont pas riches. Voilà, les anciennes éditions sont très riches. Sont très riches. Voilà, c'est pour ça que je suis venu ici pour chercher l'ancienne édition de l'UDM, CM2, École de développement. Pas la grande affluence à la veille de cette rentrée au niveau des commerces. Plusieurs raisons sont évoquées. Pour le moment, il n'y a pas trop d'affluence vu la situation du pays. À cause des élections, beaucoup ont peur de faire des achats. D'autres viennent, mais par contre, il y a quelques clients qui viennent faire des achats. Mais pour le moment, on est patient, on attend toujours. L'année dernière, actuellement, bon, il y avait un peu de bousculade. Mais bon, vraiment, cette année, c'est un peu lent. Dans cette grande librairie de la place, le constat reste le même. On ne se bouscule pas. Cette année particulièrement, on sent vraiment une lenteur. Une lenteur dans la réactivité. Dire que nous sommes chers, bon, c'est parce qu'ils n'ont pas l'information. Sinon, nous avons tout type de produits, selon les différentes qualités. La difficulté majeure, c'est la concurrence même au niveau des revendeurs, dans les établissements. Même les parents d'élèves qui viennent en librairie avec les listes, sur ces listes-là, il est mentionné « vente à l'école, vente à l'école ». Donc aujourd'hui, l'éducateur même qui est censé donner une éducation, un encadrement meilleur à nos enfants, se sont érigés en commerçants. Cette concurrence de la vente dans les établissements scolaires est également dénoncée par cette dame installée depuis plusieurs années dans la commune marchande d'Adjamé, d'où son cri de cœur. Avant, on vendait les cahiers, ça allait bien, mais depuis qu'ils ont commencé à vendre les fournitures à l'école, rien ne marche ici. Rien ne marche. Tout se vend à l'école. Souvent, nous-mêmes, on est parents de l'homme, mais on vend. Nos enfants nous donnent la liste pour les servir. Quand on sait, les enfants refusent. Ils disent d'aller payer à l'école. Ce n'est pas normal. Nous, on est commerçants, on vend les fournitures. Ce sont quelques 7 millions d'élèves et 240 000 enseignants et personnels d'encadrement qui vont animer cette année scolaire subdivisée en deux semestres. Le parc auto des forces de défense et de sécurité vient d'être renforcé avec 60 véhicules pick-up. Ils ont été remis cet après-midi par le Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, au premier responsable de l'armée, un appui qui vaut 1,5 milliard de francs CFA en vue de renforcer les capacités de mobilité de l'armée dans l'accomplissement de son rôle régalien de sécurisation des personnes et des biens. Yeli Traoré, Mathurin Badé. 60 véhicules pick-up de type 4x4 flambant neuf d'une valeur de 1,5 milliard de francs CFA. C'est le don remis à l'état-major général des armées par le Premier ministre et ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, dans le but de rendre les forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire plus autonomes et mobiles dans leur travail de protection des personnes et des biens, mais aussi de faciliter leur rôle de sécurisation des frontières. Le chef d'état-major général des armées remercie le Premier ministre pour le don et promet, au nom des unités, de faire davantage pour la sécurisation du pays. C'est toujours un moment particulier lorsqu'un chef militaire reçoit du matériel. Cela dénote d'une part de l'attention dont il bénéficie de la part de la hiérarchie et d'autre part
de l'intérêt ainsi manifesté pour sa mission au quotidien. Mais bien plus, une remise de matériel confère au récipiendaire un autre défi, celui de faire mieux avec le matériel reçu. Pour le Premier ministre, cette remise de matériel roulant vise à obtenir plus d'efficacité des forces de défense et de sécurité en renforçant leur capacité de réaction. Avec ce matériel roulant, c'est plus d'efficacité pour les forces de gendarmerie et plus d'engagement pour les forces armées sur les différents fronts qui sont aujourd'hui des défis pour nous. Les Ivoiriens sont témoins de votre engagement, de l'engagement sans relâche de vos hommes sur tous les théâtres où ils sont appelés à protéger le territoire et à protéger les Ivoiriens. Je veux vous demander de persévérer. La force d'un pays est à l'image de son armée. Quand l'armée est solide, alors on considère que ce pays repose sur des piliers solides. Le Premier ministre a profité de l'occasion pour annoncer un renforcement des dotations individuelles des militaires dans le cadre de la loi de programmation militaire. Je vous l'annonçais en titre, deux compagnies pharmaceutiques chinoises exposent pour la première fois à Pékin leur candidat vaccin contre le Covid-19 au moment où la Chine espère se défaire des critiques occidentales visant sa gestion du début de la crise sanitaire. Yeli Traoré. Les visiteurs se pressaient ainsi lundi à Pékin, autour des stands où ils étaient exposés à l'occasion d'une foire commerciale. Entrés en phase 3, avec des essais sur l'homme, ces vaccins ne sont pas encore commercialisés. Mais leurs fabricants espèrent obtenir le feu vert des autorités pour une mise sur le marché avant fin 2020. Nous avons terminé la première des deux phases des essais cliniques en Chine et nous poursuivons progressivement la troisième phase des essais cliniques à l'étranger, notamment au Brésil et en Indonésie. Nous avons également achevé la construction d'une usine de vaccins dans une base biologique à Daxing, Pékin, avec un taux de production annuel de 300 millions de doses, et elle a été mise en production. Nous espérons avoir les données sur l'efficacité du vaccin d'ici la fin de l'année, afin de le soumettre aux départements médicaux des pays concernés. Nous espérons que l'utilisation du vaccin soit autorisée avant la fin de l'année. Les doses présentées actuellement à Pékin font partie des près de 10 vaccins dans le monde ayant entamé la phase 3 des essais sur l'homme. Il s'agit de la dernière étape avant une possible commercialisation. Nous avons reçu beaucoup de demandes et d'intentions de coopérer de l'étranger, notamment en ce qui concerne l'utilisation de notre vaccin à l'étranger et la coopération clinique. Selon Sinopharm, son vaccin devrait permettre d'être protégé contre le virus pendant 1 à 3 ans. Les doses nécessaires à une immunisation devraient par ailleurs coûter au total moins de 1000 yuan, soit 124 euros. Et dans quelques minutes après ce journal, votre nouvelle émission hebdomadaire qui parle de politique. Ce soir, notre invité est le candidat à la présidentielle ivoirienne, M. Marcel Amon-Tanno. Interview à suivre après la météo. Et voilà qui met un fin à ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par François Ossohou. Merci de l'avoir suivi dans un instant. Sans réserve, nouvelle émission avec pour invité M. Marcel Amon-Tanno. À tout à l'heure.